L'histoire se répète tristement. Le grand retour de l'austérité nous ramène 10 ans en arrière à cette funeste troïka, cette mauvaise tragédie grecque écrite à Berlin et à Bruxelles. Derrière les réformes dites structurelles se cache un plan bien plus sombre, affaiblir l'État, les services publics, détruire l'État-providence pour faire place nette pour les marchés. En réalité, l'ordolibéralisme, c'est la volonté de mettre un point final à l'histoire du progrès social en Europe. En France, cette déconstruction est engagée et elle s'accompagne d'une régression sociale et d'une répression sociale sans précédent, comme en témoigne la réforme annoncée du marché du travail, d'une violence inédite et assumée. Tenez-le pour dit, en France, la guerre sociale est bien déclarée sous les applaudissements de McKinsey et de BlackRock. Merci beaucoup.